Bienvenue dans le rendez-vous des stars. Aujourd'hui, nous recevons Christelle de Koh-Lanta 2008 et c'est tout de suite dans l'interview. Bonsoir Christelle. Salut. Comment ça va? Bien. Bien, tranquillement. Ouais. Alors, tu as été vraiment connue au moment de Koh-Lanta, on t'a vraiment connue là-dedans. Oui. Vraiment, comment on peut dire que tu as vécu l'après Koh-Lanta d'abord? Comment ça va aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis en pleine forme. J'ai repris mon travail de flic parce que j'étais à l'origine policière et je suis toujours à la brigade financière de Bordeaux, au commissariat, et je m'apprête à muter sur Paris. Alors ça c'est incroyable, c'est assez rare chez les flics qu'un flic parte de Bordeaux pour aller sur Paris. C'est le contraire. C'est le contraire, voilà, c'est ça. Mais j'ai décidé d'aller à la capitale parce que un autre défi m'attend dans la police, c'est celui d'intégrer le service de protection des hautes personnalités. Donc garde du corps quoi, en tant que flic. Donc protéger les ministres. Et mon but suprême, ça serait de protéger le président de la République. Voilà. Donc ça c'est un défi, il va falloir que je m'entraîne. J'ai un petit programme déjà d'appoint. Et c'est à Paris où je pourrais m'entraîner. Parce qu'ici à Bordeaux, je sais qu'il fait bon vivre. Et je ne sais pas si j'aurais pu réussir. Il y a trop d'apéro. Trop d'apéro, il y a le bassin d'Arcachon, et c'est dans l'adversité que j'ai réussi, et Koh-Lanta l'a prouvé également, c'est dans l'adversité, dans la difficulté que j'ai réussi. D'ailleurs, est-ce que, maintenant qu'on connaît ton métier, est-ce que vraiment Koh-Lanta, ton métier t'a servi dans Koh-Lanta? Ouais, je pense que mon métier m'a servi dans Koh-Lanta. Au niveau psychologique peut-être. Exactement, t'as tout compris. Au niveau psychologique, parce que dans notre métier, on traite plusieurs personnes, on a des personnes qui font des délits, et on a différentes personnalités, et il faut aussi garder son calme en fait, dans la police, parce qu'on voit de tout, et on nous traite de tout aussi. Malheureusement, on n'est pas forcément bien apprécié. C'est vrai? Il paraît, ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Mais vous pensez qu'on traite la police de tout? Mais il ne faut pas oublier que la police est là aussi pour servir et pour garantir la sécurité des personnes et des biens, je dois le dire. Et quand il y a des personnes qui se font voler ou qui se font agresser, et bien là on remercie la police. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le côté que répressif. Et donc effectivement, le fait de garder son calme m'a vachement aidé à gérer les conflits. Parce que forcément dans un groupe, il y a des conflits. Il y a un chef qui arrive, qui est là. Et il y a des égos aussi de chacun qui sont là. Mais est-ce que la vraie Christelle, si on va piocher loin, est-ce qu'elle est calme justement? Ou est-ce que c'est vraiment la police qui a fait maîtriser, qui a su contrôler tout ça? C'est une très bonne question. Eh bien la vraie Christelle, elle est calme en fait. Voilà. Donc t'as rien appris en fait. Non. Tu nous vends du rêve. Si. C'est bien ça. Non, je t'assure, j'ai appris en fait dans Koh-Lanta, tu apprends sur toi-même et sur ton corps aussi. Alors, je suis une femme, je le sais, j'ai pas changé. Ah, j'ai appris que bon. Non, en fait, c'est Robert. En fait, c'est Christophe. Alors, je précise, je viens de me rendre compte de la connerie que j'ai dit, c'est parce qu'on a un photographe qui est avec nous qui s'appelle Robert. Excuse-moi. Désolée, Robert, désolée. En fait, en femme, tu ressembles à Christelle. Toi, t'as un photo. Hein? Non, pardon. Non. Voilà, j'y arrive pas. Non, c'est la vraie Christelle. En fait, je suis calme, mais j'ai appris que j'étais super calme. Voilà ce que j'ai appris, que j'étais beaucoup plus calme que ce que je pensais l'être. Et après, au niveau corps, je me suis adaptée aux difficultés et j'ai compris aussi que j'avais beaucoup de résistance à la difficulté, au manque de nourriture. Donc c'est vrai que le psychologique marche avant tout sur le corps. Le corps peut subir n'importe quoi tant qu'il y a le psychologique. Exactement. Le psychologique fait marcher le corps pour moi. C'est vrai. C'est pas le corps qui fait marcher le psychologique. Et ça s'est vu, ça se voit beaucoup. T'as perdu combien de kilos à cette époque-là? J'ai perdu 7 kilos. Et t'en as repris 14. Mais ça arrive, je t'assure, ça arrive. Alors moi, j'ai écouté ce que le médecin a dit, parce qu'on est un médecin qui nous suit pendant l'aventure, et un peu après, pas beaucoup. Après. Pas longtemps, une semaine après, le temps de la médiatisation, je dois dire. Non, là, bon, et c'est vrai.
Et il m'a dit, ils nous ont dit, voilà, maintenant vous allez rentrer dans la vie civilisée, vous allez en manger. Donc faites attention, vous ruez pas sur les sucreries, Mars et tout ce que tu veux. Parce que sinon, ça va venir chez les femmes, hein, cuisses et ventre. Du coup, j'ai repris une alimentation équilibrée et j'ai repris mes 7 kilos que j'avais perdus, peut-être un kilo en plus quand tu fais la fête l'été. Et voilà. Donc j'ai pas plus grossi que ça.